Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelques images que j'ai retrouvées par hasard en fouillant la centaine de milliers de diapos et de négatifs que j'ai encore. Nous étions en 1973. Je revenais du Vietnam et comme moi, je suis un passionné d'aéronautique et d'espace, je me suis fait accréditer au Salon du Bourget qui réunit, comme vous le savez, les plus beaux avions et les plus belles fusées à ce moment-là de notre époque. Nous sommes le 3 juin 1973. Alors la vedette de ce salon depuis quelques années, c'est le Concorde. Nous sommes au dernier jour du salon, le dimanche 3 juin 1973. Deux avions de ligne supersonique s'affrontent. D'un côté, il y a le Concorde. De l'autre, le Tupolev 144. Les deux appareils sont en cours de développement. Cela fait plus de 4 ans qu'ils volent, mais aucun n'est encore entré en service. Pour arracher les commandes et convaincre les indécis, les avionneurs réalisent donc, comme c'est l'usage, des démonstrations en vol. Ce jour-là, l'avion supersonique franco-britannique réalise son vol sans encombre, devant plusieurs centaines de milliers de spectateurs. Attention, juste derrière, un nouvel avion supersonique qui ressemble à s'y méprendre au Concorde, le Tupolev 144. On peut dire même que le Tupolev 144 était le clone du Concorde, puisque on l'a su après, c'est un ingénieur français qui avait donné les plans du Concorde aux Soviétiques. Alors ce sont tous deux des avions dits de production, c'est-à-dire que à l'intérieur, il y a sièges, etc., etc. Mais ils en sont toujours à être des prototypes. Aucun n'est encore sur une compagnie aérienne. Après le Concorde, le Tupolev décolle. Puis c'est au tour du supersonique soviétique. L'avion décolle, mais après un passage à basse altitude, le vol tourne au drame. À 15h31, d'un seul coup, l'appareil pique du nez, se casse en deux au-dessus d'une zone habitée. André Turca, pilote d'essai sur Concorde, assiste à la scène. De l'endroit où nous étions, nous avons vu après son dernier passage, l'avion monter tout droit, on voyait la flamme des moteurs. Et puis nous avons vu soudain une évolution à piqué, qui visiblement mettait hors de contrôle du pilote. Les voilures se casser, le pétrole se répandre et s'enflammer.
L'avion s'écrase sur la commune de Goussainville. Les 6 membres d'équipage et 8 personnes au sol sont tués. C'est la zone de Goussainville. Je me précipite là-bas. Voilà ce que j'ai vu. Habitants de Goussainville sont tués. Que s'est-il passé? Différentes hypothèses ont été avancées, mais un an après l'accident, la commission française d'enquête et les experts soviétiques ont conclu qu'aucune anomalie ne pouvait être mise en évidence, ni dans la construction, ni dans le fonctionnement général de l'avion et de ses systèmes. Les causes de l'accident restent donc indéterminées. Le quadré réacteur supersonique soviétique, reconnaissable à ses plans canards, devait être un concurrent sérieux au Concorde. Alors les soviétiques, après avoir perdu la course à la Lune, ont perdu aussi celui du transport aérien supersonique. Le Tupolev 144 fut très vite abandonné par la seule compagnie aérienne qui l'avait prise, évidemment, l'Aéroflot. Eh bien, j'espère que ce petit récit, malgré le manque d'images, vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir.